Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé samedi la terreur russe après que les bombardements de la veille de Noël ont fait au moins 7 morts et 58 blessés dans la ville de Kherson, que les forces de Kiev ont repris en novembre. 10 mois après le début de la guerre en Ukraine, des obus ont plu autour d'un marché animé dans Kherson, la ville portuaire du sud, et déclenché un incendie. Malgré le retrait des Russes de la ville, Kherson reste sous menace constante. Le président ukrainien a néanmoins appelé à l'unité lors de son discours au peuple ukrainien la veille de Noël. Zelensky a admis que les vacances auraient un goût amer au milieu de la guerre en cours avec la Russie et pour les absents de la table du dîner. « Mais où que nous soyons, nous serons ensemble aujourd'hui », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son discours. « Et ensemble, nous regarderons le ciel ce soir. Et ensemble, nous nous souviendrons du matin du 24 février. Nous nous souviendrons du chemin parcouru. »